Hey peuple de YouTube, ici Monsieur Zombificateur, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Resident Evil 7. Donc nous reprenons notre petite aventure. Donc du coup précédemment on avait réussi à fabriquer notre petit lance-flamme que vous voyez ici tout à droite. Donc du coup voilà, on a trouvé aussi quelques pièces antiques, quelques items qui étaient bien cachés. Donc on va prendre le petit lance-flamme, voilà. Chargeur plein, j'ai que 100 cartouches. Ok. Bon là ça va pas être très très amusant si vous voulez mon avis. Te voilà. Ah. Oula, elle est là. Allez, ça je le crame, voilà. Allez, encore un petit coup. Voilà. C'est parfait. Il y a sûrement encore un nid derrière. Non, c'est bon. Ok. Dégage-toi. Alors attends, on va prendre le couteau pour lui. Voilà. Ok, je reprends lance-flamme, on a un placard ici. Allez, on crame tout. C'est parfait. Là, j'en ai plus du tout par contre. Voilà, là j'en ai plus. Ok, je prends mon couteau. Alors là, on a quoi là? On a un truc ici. J'ouvre ça. Une herbe, ok, c'est parfait. On a quoi d'autre? On a sûrement un truc ici là, non? On n'a pas une VHS, une connerie? Elle doit être pas loin. Oh! Vite, ferme la porte. Je me fais attaquer. Oh la salope! Putain, comment je vais faire pour passer là? Tu n'as rien à faire ici, mon garçon! Et vite, on y va. Ok, allez, vite. On met ça, voilà, c'est parfait. Ah, vite, faut trouver le sens. Alors, ça, c'était l'araignée. C'est à peu près comme ça, voilà. Voilà, c'est bon, je me suis gavé du premier coup. Ouh, allez, on y va. Vite. Vous voulez mon avis? Mettre un petit coup de sauvegarde d'abord ici, là-bas. Alors, un petit coup de sauvegarde là. Voilà. Merde. Voilà. Ouh, c'est tendu. Alors, attends. On a quoi pour le soin? Attends, je peux en faire un de trucs de soin normalement, oui. Alors, j'ai du fluide chimique, mais c'est du fluide chimique comment? Ouais, ok. Allez, je m'en fais un. Voilà, je me soigne. C'est parfait. Là, dans le coffre, on a rien du tout. Grenade neurotoxique. Non, on a rien de bien spécial. Ok, allez, on retourne. J'ose pas lui tirer dessus à la mer, parce que je pense que ça va servir à rien, le fusil à pompe. Il va falloir l'abattre avec autre chose. Allez, on passe par là. Vite. Oh là là, c'est stressant. Trop stressant. Merde. Gueule pas comme ça, s'il te plaît. Oh mon dieu. C'est rien, c'est des asticots, c'est rien. Gueule pas comme ça. Sinon, on va se faire rattraper, Trevor. Oula, j'aime pas ça. Les mille pattes. Ah ok, on est passé de l'autre côté. Ok, on a de l'herbe ici. Bon, l'herbe j'en manque pas pour l'instant franchement, mais c'est plutôt les fluides chimiques. Il y a un trou ici, ok. Est-ce que je peux aller fouiller par là? J'aimerais bien voir la porte d'abord. Ah, c'est une clé du corbeau qu'il faut ici. Il y a quoi là? Un fluide chimique. Alors attends, c'est quoi comme fuite chimique? C'est un fuite chimique très très basique. On va passer par le trou. Voilà. Par ici. Et là, ça m'inspire pas trop confiance. Est-ce qu'on a une pièce antique ici déjà? Oh là là.
On a une caisse là. Psychostimulant, ça c'est cool. Ça, ça va nous servir. Ok, ok. Ah, un fût chimique ici. Oh, la manivelle pour ouvrir l'accès de l'autre côté. Ok, j'ai la petite manivelle. Ça, c'est cool. Tout ça pour ça, en fait. Pour la petite manivelle, ok. On a un truc, là, non? Ah, on peut activer la manivelle... j'ai du mal à parler. Ça, c'est le stress. La manivelle ici, voilà. Comme ça, ça nous fait un raccourci. Voilà. Je peux la récupérer? Voilà, c'est parfait. Alors là, normalement, je l'ai sur moi, oui. Alors, j'ai deux fuites chimiques, ça, c'est cool. Au pire des cas, on en utilisera un pour se soigner. Allez, vite, 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 vite. Putain, putain, putain. Aïe, aïe, aïe. Allez, con. Oh, vite, la manivelle, allez. Tourne ça, allez, putain. Oh, c'est galère. Ah bah c'est bon, la manivelle on l'a récupérée, je suppose qu'elle va nous servir encore. Remède premier soin, ça c'est cool. Putain, j'ai morflé. Hein. Il y a un coffre ici. Alors là, tu peux être sûr qu'il y a une clé là-dedans. Clé du corbeau. Oh, vous savez quoi, on va retourner à la première maison. Je suis sûr qu'il y a une clé du corbeau utilisée quelque part. On va se soigner. Là, parce que j'ai plus de place dans mon inventaire sinon. Je prends le combustible. La pièce antique, j'ai pas de place, putain. Alors attendez, bougez pas. On charge ça, on fait de l'espace. Voilà. Petite pièce antique. Raison de plus pour retourner à la caravane. Allez, on utilise la dernière petite pièce, ici. Voilà. Et là, on a les stéroïdes, qu'on va utiliser d'ailleurs de suite. Voilà. Et là, j'ai plus de santé, normalement. Voilà. Ça c'est cool, votre vie maximum a augmenté. Alors ensuite, on a une manivelle, une clé du corbeau. Je propose qu'on aille fouiller la petite maison. Enfin, la grande maison. Il y a sûrement une clé du corbeau quelque part. Enfin, une porte avec une clé du corbeau. Ben, je crois la porte d'en haut à gauche. Je sais plus si c'est une clé du serpent ou du corbeau. On va aller voir. Ça fait plaisir quoi, en tout cas. Ah, je crois que dans la pièce en bas du passage secret, c'est une clé du corbeau, il me semble. Alors ça, c'est une porte clé du serpent. C'est pas la peine d'essayer de l'ouvrir, on n'y arrivera pas. Alors, la clé du corbeau, fais voir. Est-ce qu'on en a une ici? Là, on a un serpent. On n'avait pas une autre porte, ici? Non, hein. Non, 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 ce n'est pas bon. Ok. Donc, on va essayer d'aller en bas par le petit passage secret. Je crois qu'on a le lance-grenade, en fait, dans cette pièce là-bas. On va aller chercher les cartouches qui sont dans le coffre aussi. Et en fait, je crois que ça va nous permettre de battre Marguerite. Parce que la clé du corbeau, elle va nous mener également à la porte aussi de la vieille maison. Il y a sûrement quelque chose à faire. Il nous faut du lance-flamme et du lance-grenade pour la battre. Ok, clé du corbeau ici, c'est parfait. Hop là, allez, j'ouvre. Parfait. Oh là là, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça c'est quoi? Poudre à canon. Grenade incendiaire. Cartouche de fusil. Alors fais voir un peu. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? Déjà on va se fabriquer un truc de soin. Alors moi je propose qu'on garde le fusil à pompe. Qu'on se sépare du pistolet déjà, ça c'est sûr. Le pistolet là. Voilà. Alors on va se séparer de ce pistolet. Voilà. Munition du pistolet, on s'en sépare. La manivelle, ma foi, elle peut toujours nous servir. Les plantes, putain c'est compliqué. Je prends le lance-grenade. La manivelle, on va s'en séparer pour l'instant. Voilà. Ça aussi, allez. Allez, on retourne là-bas. Hop là. On va prendre le petit lance-grenade. Ok, allez, allez, allez. T'es qui là, Ineken, pas le temps de niaiser. Voilà, petit lance-grenade.
Lance-grenade qui doit faire mal, ma foi. Là, on a du combustible solide qui va nous permettre de faire. Combustible solide. Grenade incendiaire et grenade neurotoxique. Agissant sur le système nerveux. Alors là, déjà, on a une cartouche comme ça. Alors, ça nous fait deux cartouches incendiaires. Et j'en ai deux aussi. J'en ai deux comme ça aussi dans la caravane. Enfin, du moins dans un coffre. Donc, on va aller les chercher. Par contre, une fois qu'on aura battu Marguerite, enfin, je pense qu'on va la battre dans la vieille maison. Et si on n'arrive pas à trouver le sérum là-bas, il va falloir le chercher ailleurs. On a deux autres accès en fait qui sont verrouillés. On a le petit portail, enfin les deux petits portails derrière la caravane qui sont verrouillés. Alors il y en a un des deux qu'il faut deux cartes magnétiques apparemment. Celui qui est ici et celui qui est ici. Donc du coup, pour l'instant, rendez-vous à la petite maison, enfin à la vieille maison. Allez, c'est parti. On va affronter notre destin. Je suppose que cette fois-ci ça va être un grand combat. Ou alors peut-être pas, je sais pas. Ok, on a une clé du corbeau pour là-haut. La porte était ouverte ici. C'est bizarre. C'est très très bizarre. Ok. Putain. Oh la salope. Oh putain. Oh la salope. Très bien. Tiens, mange ça dans ta bouche. Vite, vite, grimpe, grimpe. Oh putain, je suis dans la merde. Crève. Vite, grimpe, grimpe, grimpe. Putain, vite, vite. Ça, ça, ça. Vite, 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 je suis en train de tout gaspiller là. Voilà, vite, grimpe, 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 grimpe. Voilà, elle est tombée dans le trou, elle est tombée dans le trou, vite, vite. Vite, change de munitions. Ah, elle est morte. Oh je jure, si je l'ai tué c'est trop méchant. Vite, on ouvre ici. Oh putain, vite, allez. Allez, je vais rentrer là. Oh putain, c'est cool. Je peux me soigner? Ouais, trop cool. Oh putain. Il y a un tiroir là. Il y a rien du tout. Qu'est-ce que c'est? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oula, trop bizarre. À propos du sérum série, les ingrédients suivants sont possibles. Créer sérum. Nerf crânien de série D. Nerf périphérique de série D. Ça doit être ça. D'accord. Oh putain, le téléphone il sonne maintenant. Alors? T'as trouvé le sérum? Je viens d'en finir avec ta mère et ses satanés insectes. T'aurais pu me prévenir. Je suis désolé. Et pour le sérum? Je l'ai pas trouvé. Mais je sais ce qu'il nous faut pour en faire un. Une tête de série D et un bras. Ça peut pas être ça. Une tête? Je crois que j'ai ça quelque part ici. Vraiment? Mais aucune idée pour le bras. T'as exploré toute la maison? Non, pas encore. Il me reste à fouiller l'étage. Ok. Trouve-le et rejoins-moi à la caravane. D'accord, ok, pas de soucis. Alors là, pas de fausse joie, je crois qu'on l'a pas tué la mère. Hein. Marguerite est peut-être encore en vie. Oui, c'est quoi ça? Coupez vos dos. 11 octobre, mes oreilles n'arrêtent pas de siffler, je n'ai pas pu fermer l'œil depuis que cet enfant est là. Comme dit Zoé, il y a quelque chose de bizarre chez cette petite et la femme qui l'accompagne.
15 octobre. Je vois des choses, j'entends des choses, j'ai des nausées en permanence. Je suis allé voir le médecin en ville qui m'a fait un scanner. Qu'est-ce qu'il m'arrive? 23 octobre, la petite m'a donné un cadeau. Octobre, j'ai mis le cadeau à l'étage dans la salle secrète, tout au fond, là où personne ne le trouvera. Ce bras est un signe de sa confiance, ce bras nous mènera au bonheur. Et je tuerai mes mains, quiconque se mettra en travers de ce bonheur. Oui, c'est quoi? Combustible. Oh, ça c'est cool. Ça c'est cadeau ça. Hein. Moi je veux bien des petits cadeaux comme ça, du combustible et tout, ça peut nous être utile. Ok. Y'a quoi là? Oh, petite pièce antique. Ça c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais accrocher là? Oh putain, pour ouvrir cette porte il faut un contrepoids. Et qu'est-ce que tu veux que j'y mette là? Une lanterne? Elle avait une lanterne Marguerite, mais elle a mis où? C'est ça le problème. C'est que je peux pas ouvrir cette porte sans contrepoids, faut que ça fasse balance en fait, d'accord. Donc on va revenir en arrière. Oh putain. Elle est pas contente. Hein. Alors toi, pour toi j'ai quelque chose, j'ai un petit cadeau. Oh putain, mais elle est moche! Oh là là, faut aller en bas! T'es sérieux? Bon allez, on a des couilles. J'ai des couilles moi, j'ai des grosses baloches. Allez, j'y vais. J'ai vu un bras super long là. Oh putain! Oh la vache. Tu vas cramer, salope. Tu vas cramer là. Te le dis, hein. Te le dis, hein. T'es vilaine, hein. Elle a la lanterne, la salope, il me la faut. Mamma mia, mais ça mène où ça? Ça me plaît pas trop ça. Ouh. Ok. Ok. Ah, la caravane. On peut déverrouiller. Oui. Oui, on peut déverrouiller. Ouvre-toi. Voilà. Putain, je vais faire une pause à la caravane, j'en peux plus. Ah, c'est parfait ça. C'est parfait. Petit raccourci. Ah, je suis trop content. En plus, on a une pièce antique. Alors, attendez. Je vais prendre mon couteau parce que... Là. Alors ici, c'est quoi déjà? Augmente votre vitesse de rechargement au sens en branle. Là, par contre, on va continuer sur cette voie-là. Voilà. Parce que ça, c'était quoi déjà? Beaucoup de recul, beaucoup de puissance. Voilà, pour le pistolet. Alors, ta-ta-ta. Pistolet cassé, je sais pas ce que je peux en foutre. Poudre à canon. Poudre à canon. Je vais voir si je peux me faire des munitions. Il me faut des munitions de fusil à pompe. Ah, j'ai pas de fuite chimique, je vais pouvoir rien faire en fait, je crois. Bon bah écoutez, c'est pas très grave. Je vais prendre mon lance-grenade et mon lance-flamme, voilà. Mais j'ai pas grand chose en munitions à mon avis, je vais rien faire avec ça. Je sais pas si je devrais prendre le pistolet. Bon, on va voir. De toute manière, on va utiliser un psychostimulant. Voilà. On a un truc déjà ici, j'avais pas vu. Alors c'est quoi? Fuite chimique fort. On verra après. D'abord, il faut vite rechercher les trucs qui nous manquent. On a un truc là. Photo d'un trésor. Ah. Ok. On a quoi d'autre? On a sûrement un truc par là, voilà. C'est verrouillé de l'autre côté, merde. Ok. Vite, vite, vite. On s'en met un truc par là, non? Là, il fait nuit, ça me plaît pas trop. Là, c'est le puits d'où on est venu. Il y a un accès ici. Oula. Ok, il y a plein de trucs ici. Plante, plante. Je prends. Ça, je prends. Combustible solide. Y'a quoi là?
Ça c'est verrouillé, ok. Pas de temps à perdre avec ça. On va pas y aller pour l'instant. On va pas y aller pour l'instant. Ouvrir la porte à l'étage, vaincre Marguerite et prendre sa lanterne. Trouver les ingrédients du sérum. Trouver les bras de la vieille maison. On a un truc, j'ai caché quelque chose ici. Trouve-le si tu en es capable. C'est où ça? Un cendrier avec des clopes écrasées. Ouais. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on peut faire là? J'ai combien de munes sur moi? Et j'ai quoi comme munes? C'est ça la question. Attends. J'ai des munes incendiaires, c'est ça? Ouais. Alors on va fabriquer des munes incendiaires. Voilà. Je vais prendre un petit lance-flamme d'abord pour commencer. Elle est juste en bas la salope. Allez, on y va. Ok. C'est fermé. Au moins ça s'est réglé. Ah, j'aime pas trop ça moi. Une grille bloque l'accès. Y'a un truc ici là. Ça me plaît pas trop ça. Cartouche de fusil. Moi je vais te cramer salope hein. T'as pas intérêt à t'amuser avec moi. Psychostimulant, ça c'est cool. Ok, tant mieux que ça soit verrouillé. Tant mieux, tant mieux. Il y a un escalier ici, je suppose qu'elle est en haut. Oh saloperie. Je vous crame. Là. D'accord. Là c'est parfait. Allez, vas-y, vas-y. Ça je prends. Oh putain, ça je peux pas le prendre, t'es sérieux? Alors attends. Y'a un truc à faire. Y'a un truc à faire. Je peux créer ça? Non, non plus. Je ne peux pas, je ne peux pas, ça fait chier. Comment je pourrais faire? On va utiliser le psychostimulant, on n'a pas le choix. Voilà. Je prends ça. Allez, on y va. Crame, crame. Ah, t'es moche. M'attendais à pire que ça, c'est pas grave. Ok, on a un petit truc là-bas. Oh putain, salope. Oh la salope, je te crame. Sale pute. Je te crame. Je te crame. Wacon, je me suis fait mal. Vite, 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 vite. Vite, vite. Des trucs, des trucs, des trucs. Vite. Elle est où, elle est où? Ah la salope, vite. On fabrique ça, voilà. Viens avec moi maintenant. Elle a une ruche au milieu. Faut tirer là. Oh putain, elle est en colère. Elle va me choper, elle va me choper par ailleurs. Vite, on retourne là. On va passer par là, vite. J'ai pas de lance-flamme, ça fait chier. Elle est où? T'es où, connasse? Montre-toi, démon. On a un truc là, on peut descendre par là. Vite, vite, vite.
Fuite chimique. Oh. Voilà. Elle est juste là. Bouf. Putain, putain. Ok, ok. Putain, putain, dégage. Tu vas mourir. Putain, 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 putain. Crève. Je crois que je l'ai crevé, mes chers amis. J'ai réussi à la crever. J'ai réussi à la tuer, mes chers amis. C'est bon, j'ai la lanterne. Oh putain, quel affrontement. Oh, attendez, il me faut du soin. Voilà. Oh putain. Oh, quelle bataille, mes chers amis. On a réussi à battre Marguerite. Il y a sûrement quelque chose à fouiller ici. Il y a des trucs qu'on a dû oublier. Fuite chimique, il n'y a plus de place. Alors attendez. De l'herbe, j'en ai tout le tour du ventre. Bon, au pire des cas, on reviendra ici. On sait qu'ici il y a des objets à ramasser, des trucs qui peuvent être utiles. On a réussi à battre Marguerite, mes chers amis. Hop là. Je crois que j'ai une pièce antique en plus. Fais voir. Non, j'avais pas de pièce antique. Moi, j'ai dû l'utiliser, je m'en rappelle plus. Tac. Alors ici. Ici, on va mettre les... Ah, je sais pas. On va mettre pour l'instant les plantes au stockage. On va mettre le combustible solide ici. Je vais récupérer mon pistolet, je pense. Le lance-grenade, on va le stocker. Voilà. Pistolet, hop là. J'ai des munitions de pistolet là. Hop là. C'est parfait. On est pas mal là. Donc du coup voilà, mes chers amis, j'espère que cet épisode sur Resident Evil 7 vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, mes chers amis. Portez-vous bien, salut à tous, peace.